Cela fait plusieurs jours qu'Ibaabouk est à Cannes pour le festival. L'ex-femme d'Achraf Hakimi s'est d'ailleurs montrée très proche d'un mannequin à la renommée internationale lors d'une soirée au milieu des stars. Si l'an dernier Ibaabouk avait fait une montée des marches très remarquée au bras de son mari lors de l'avant-première de L'Innocent, le film de Louis Garrel, cette année, si est toute seule que l'actrice de 36 ans est venue au Festival de Cannes. Il faut dire que les choses ont bien changé entre-temps pour la belle brune aux origines tunisiennes et libyennes. En mars dernier, elle officialisait sa rupture avec Achraf Hakimi, la star du Paris Saint-Germain. Visé par une enquête pour viol, le footballeur marocain de 24 ans s'est séparé de la mère de ses deux enfants, Amine, 3 ans, et Naïm, 1 an, plusieurs mois avant cette annonce. Aujourd'hui, je me sens obligé de rendre cette déclaration publique pour exprimer mon état d'esprit et clarifier de première main la désinformation qui circule, a notamment écrit Iba sur Instagram. Depuis, les choses semblent aller bien mieux pour la jeune mère célibataire, qui a fait le choix de rester vivre à Paris, où elle ne s'ennuie pas. Depuis plusieurs semaines maintenant, elle multiplie les projets professionnels et elle trouve également le temps de s'occuper de ses deux garçons. Récemment, elle est partie avec eux pour quelques jours de vacances au soleil et depuis plusieurs jours maintenant, elle se trouve à Cannes pour participer au festival de cinéma le plus prestigieux de la planète. Il faut dire qu'en tant qu'actrice, Ibaabouk est tout à fait légitime et elle s'est d'ailleurs récemment montrée très proche de Lina Koudri, l'une des étoiles montantes du cinéma français. Iba au milieu des stars à Cannes, très active sur Instagram et suivie par plus de 1,7 million d'abonnés, l'ex-femme d'Achraf Hakimi a partagé plusieurs photos qui montrent qu'elle s'éclate actuellement à Cannes. Sur l'une d'elles, on peut la voir enlacer le célèbre mannequin espagnol John Cortajarena. Je t'aime, a-t-elle écrit sur le cliché, qu'elle a repris dans sa story, et qui est à retrouver dans le diaporama. Elle a également pu retrouver la célèbre Rossi de Palma, dont elle est également très proche. L'acteur français Gianni Buziani, avec lequel elle passe beaucoup de temps, était également à ses côtés en ce dimanche 21 mai. Loin de se morfondre sur sa rupture avec Achraf Hakimi, Ibaabouk dévoile son bonheur actuellement à Cannes, au milieu des stars.